Bam. Joli. Oh putain, par contre. Oh là. Merde. Oh merde. Non. Sérieusement, quoi. Les mecs, ils m'ont allumé la moitié de ma vie. Enfin, les trois quarts de ma vie en deux coups. Il t'a buté? Ouais. What the fuck. Mais c'est les petits, c'est même pas le gros. C'est les petits bébés de merde. Bon, le grand est en train de me défoncer. Le gros est en train de me défoncer. Ok, ouais. Alors du coup j'ai buté le gros titan là de ouf. Mmh. Donc j'arrive, je reviens. C'est là que j'ai trouvé un vieux trou, ouais. Hein. Quoique je préfère comme ça. Moi je me fais moins repérer. Et je pars tout seul. Dirait que Misogi est dans le trou. Le cratère nord de FF7. Donc du coup on re... ouais. Là on est en situation de merde, c'est-à-dire que on n'a pas le, enfin, on n'a pas, enfin tu peux, ça va être galère pour toi de revenir où on était. Ah non non, je reviens mec. Là. Je reviens. Ok super. J'ai déjà passé le cratère là. Ok. Je crois. Que tu vois, tu vois le marquage où je suis? Ah non même pas. Bah si, juste avant je te voyais, mais là t'as disparu, oui. Je sais pas ce qui s'est passé. T'es juste... Ah oui, t'es juste en dessous de moi. Ah d'accord. Il faut juste que je retrouve le village. Pour moi, je suis sur l'île où on était, là. Il faut juste que je retrouve les deux tentes, là. Et le trou, du coup. C'est juste ça qui me manque. Mais cela dit, vu où t'es... ouais, les grottes doivent être reliées au cratère ou un truc comme ça, quoi. On a vraiment des bruits suspects, ça me... Essaye de revenir, hein, mais... Bon, attends. Ouais, mais non, mais j'ai plus de stick, justement. Je n'ai plus de stick. Où sont les tentes?
que bon, là, il fait nuit, tu vois, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Oups! Nous arrangeons pour trouver quelque chose. Oh putain, un crocodile! non, s'il te plaît, mec! C'est bon! Il t'attaque? Moi, je suis pisse! bah, lui, pas non, pas. Si, si, ça. Il... Oh putain! Un porc! Mange le porc, le crocodile, laisse-moi! il est plus appétissant. Non, non, il m'a juste fait fuir le crocodile. Il m'a fait un. Et je me suis éloigné et il a arrêté. Arrêtez de t'embêter. Enfin, il me regardait avec la bouche ouverte, quoi. Genre, si tu veux, roche. Je veux te manger. Ah! J'ai trouvé une maison. C'est pas ce qu'on avait trouvé l'autre jour. Mais... Ah, j'ai trouvé un cadavre pendu. Ah, coupé en deux. D'accord. Tout va bien. Je me sens bien. Je sens l'abri. Tout ça, quoi. Mec, j'ai une lance. J'ai trop chopé une lance. T'as trouvé ça dans le lac? Non, dans une des maisons. D'accord. Ah, attends. Ouais, je suis désolé, je trouve pas l'entrée du truc. Je trouve pas cette putain. Tu vois le drapeau? Est-ce que tu. Attends, tu vois le drapeau là qui est sous le sol? Non. Moi je vois ton pseudo. Hein. Ah si, je vois ton pseudo, mais tu me dis t'as un drapeau. J'essaie de m'aventurer dans la grotte pour voir s'il y a un truc. Moi je vois ton nom quoi, le drapeau c'est là où on a sauvegardé il me semble. Le drapeau c'est le point où... Enfin c'est notre maison quoi. Non non non, regarde au niveau de mon pseudo, tu vois un drapeau? Non. Ah bon? Non carrément pas, moi les deux drapeaux ils sont là-bas quoi. Et là? Non. Un rose? Non. Non. Trouver des armes. Ben, ah merde. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir, peut-être. Bon, ben, je vais essayer de continuer, voir si ce qu'il y a ceux de plus à découvrir. J'ai trouvé des indigènes. Là. Oula, en plus, il a une lumière sur la tête. C'est quoi ce mec? Normalement, c'est les big boss. Oh putain, oui, il a l'air pas content. Laissez-moi! Ah, mais je vis toute une aventure, mais tout seul, c'est triste. Oh bah, pareil pour moi. Bah, ce sera des épisodes très. C'est quoi ça? Putain, c'est ultra creepy, mec. Mec, attends. Ah non, mais. Laissez-moi! Pour une fois, je veux pas vous buter là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Mec, je suis dehors. Oh t'es au cratère. Derrière le. T'es dans le cratère ou quoi? Je suis dans le cratère. Ok. Oh mais. Enculé là. Joue ma gueule, c'est ça? Joue ma gueule, tu vas te battre. Je vais te battre, viens. Viens. Viens, viens. Saloperie. Je fais le chef là avec ta lumière, j'en ai rien à foutre. Meurs. Voilà. Et alors, qui a gagné? Lui. Pas moi. Non, il est mort, il est mort. Il ferme sa gueule, il est mort. Même pas ta lumière, on peut attends, même pas la prendre. Ouais, ah, je suis déçu, je crois que j'avais trouvé de la dynamite. Ni sa massue, il a une putain de massue, on peut pas la prendre. Sauvegarder. Sauvegarder? Ouais, j'ai trouvé des tentes. Ça sert, je vais remonter, hein. Ça sert à rien de continuer là. Ouais, d'accord, bah, si t'as trouvé la sortie de toute façon. Mais j'aurais bien aimé essayer de récupérer mon stuff, quoi. Enfin, si on peut. As-tu non seulement essayé? Attends, non, c'est pas fini pour moi. Non, je peux pas récupérer ton stuff.
Ok, nique ta mère, je me casse. Mais est-ce que c'est Nique ta possible? mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Oh, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Hein, mais est-ce que c'est possible, Mizuhi? Oui, toi tu peux récupérer ton stuff, mais moi je peux pas récupérer le tien. Ok, bon, je peux voir rien là. Putain, mec. Ça a été automatique quand j'ai passé la petite noire et que j'ai entendu les bruits de bébé. J'ai fait nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Je le casse. Ah bah j'ai retrouvé le cratère. Dans lequel il nous laisse bizarrement pas sauter dedans. Et du coup là je te vois plus du tout. Je vais Ah remonter si, t'es donc. là. Perdu, je sais pas où là. Ah si, je suis au travers autour du cratère. Je pensais aller être où on était. Il faisait pas nuit aussi, putain! J'espère juste que les cannibales ont pas respawn. Ah bah ce serait un peu dégueulasse ça. Mais il y a un bout de Oui, l'avion là-bas. complètement. Je vais aller voir. Ça m'intéresse. Espérant qu'il n'y ait pas de crocodile dans l'eau. J'ai failli me tuer. Merde. J'ai glissé et j'ai failli me casser bien. J'ai je me suis bien cassé la gueule. Pas grave, je remontais par là. Bon, bah j'ai trouvé les pilotes. Ils ont pas grand-chose à dire. Bon, mon objectif est de rentrer à la maison. Oh mec, j'ai un pistolet lance-fusée. Ah bien. Donc dès que t'es sorti, je lance une fusée, comme ça tu sais où je suis. Non, il y a nos pseudos. C'est les tentes où j'étais ça ou c'est encore autre chose? Bon allez. L'aventure. Non, c'était des tentes plus petites qu'on avait trouvées, mais elles sont où ces putains de tentes? Voilà. Tu peux éteindre ton briquet, mec, il y a le soleil. Bon, heureusement qu'ils sont pas encore bâtards, je dirais, et qu'ils font un briquet pas infini, quoi, enfin, qui demanderait de Très l'essence. pute. Ça rendrait quand même les choses bien compliquées. En plein bad. Une grotte tout seul, c'est horrible. Bon, bah, j'ai trouvé un autre village. Ah, c'est sympa comme structure, c'est artistique, tout ça. Ça fait un peu des trucs à la Blair Witch comme ça, c'est sympa. Je sais pas à qui appartient ce village, ça a l'air d'être des mecs vachement sympas aussi. Est-ce que ce serait mon plus gros bug? Ah bah il y a l'autre avec une lumière là. Il dirait qu'il dort. J'y vais. Qu'est-ce qui t'arrive mec? T'es en train de gerber? Je sais pas. Le truc qui me fait plus flipper, c'est de monter une corde et quand je suis en haut de me retrouver nez à nez avec un cannibale. Ah non, ah, ah. Ah bah je me suis refait violer en fait. Oh mec, je suis mort.
Oh, toi aussi? Non, je suis pas mort, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun moyen de sortie à part par l'endroit où je voulais pas passer. Bah, ça va être palpitant comme aventure tout ça. Ah, et du coup, j'ai même plus le droit à la hache. Ça, c'est sympa. Et je vois le truc pour partager des objets, mais décidément, il veut pas le ramasser. Hein. Pas trop son trip. Ah, du coup, quand tu meurs trop vite, il y a vraiment plus rien dans l'avion, quoi. Ça, c'est un peu la merde. Ah, mais là, il m'a fiche où est mon cadavre. Ça, c'est sympa. Oh, tu déconnes, t'es pas tombé de haut là. Ben si, mais c'est moi qui t'exploite quoi. Il y a moyen de glitch pour que je retourne à la maison. Non. Pas, de Je toute vais être façon, obligé là, c'est la d'affronter. merde. J'ai Je aucune vais être arme, obligé donc d'affronter mes peurs. je peux rien faire. Oui, il fait jour, oui, ça. Passer toute la nuit à chercher l'entrée de la grotte. Pour bien sûr que je me fasse attaquer à l'aube. Tellement désespéré d'affronter mes peurs que j'ai même envie de me suicider en sautant dans le trou. Ah, mais je me suis niqué toute ma vie en fait. Un grand mongol, non? Bon, bon, allez, Je hein, sais quand pas. faut y aller, faut y aller. Hein. Bon, j'ai quoi pour me défendre? Bah, Pas tu me grand-chose. tues? Faites-moi bonne chance. Bonne chance. Je vais en avoir besoin parce que là, c'est ouf. Je pense qu'il y a le boss fight derrière cette muraille. Ah putain, le bruit des bébés, Moi, je veux mec. surtout un mec qui court à 4 milliards de kilomètres heure. Et qui refait style, il est mort, là. Je sais pas si c'est leur technique, genre. Je ne bouge plus, il ne me voit pas. Sa vision est basée sur le mouvement. Si je ne le regarde pas dans les yeux, il ne me verra pas. Badamax, Badamax, le bad. Invivable, mec. Invivable, une grotte solo. Je sais pas ce qui se passe, si c'est fait que tu sois sous terre qui provoque ça ou quoi, mais les indigènes, ils font n'importe quoi. Tournent en rond, courant 100 à l'heure, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est un drôle de spectacle. Qu'est-ce qui se passe, Minoli? De monter à une corne et ensuite il y a une flaque d'eau. Ok. Et du coup moi je sais pas où aller. Donc attends, hop, j'allume un feu, un peu plus statique. J'essaie d'évaluer ma situation de merde. Juste vérifier, c'est une tortue, ça? C'est une tortue, d'accord. Je ne suis pas encore devenu totalement fou. Laissez-moi. Ouais, je récupérais mon ancien nouveau stuff. Ancien nouveau stuff. Ouais. T'es compris? Voilà. Putain, ils ont des cages à poissons ou je sais pas quoi. Ça a l'air d'être ça, je sais pas. Trouver plein de bouse. J'ai trouvé Jésus.